Bonjour les amis, aujourd'hui sujet du cours, c'est mythologie d'un moteur. Là, dans ce tableur Excel, nous allons apprendre et voir comment bien connaître l'alisage d'un moteur d'une course avec son vilebrequin. Bon, le truc simple à apprendre, quoi. Bon, déjà, dans ce tableur, on a des sous-cadres. Tout est en cadre. Dans ces cadres-là, nous allons déterminer l'alisage de tel ou tel objet sur un moteur. Comme ça, on pourra calculer, par exemple, sa cylindrée, son alisage, et son taux de compression futurement. Donc ça, c'est des bases élémentaires pour les jeunes novices, hein, qui commencent à découvrir un petit peu les préparations moteur. Et là, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. En première mention dans le premier cadre, ici dans les informations sur l'alisage du cylindre, informations sur le diamètre du piston, course de la bielle. Ici, on va être plus concentré dans cette colonne. Dans cette colonne, nous avons deux types de couleurs, vert, bleu, orange, qui vont nous déterminer les informations complémentaires qu'on aura besoin. Mais avant, il faut donner des instructions, donc des informations, pour remplir au fur et à mesure notre tableur, qui nous donnera ensuite les choses à effectuer, préparer ou modifier éventuellement sur le moteur. Là, en première ligne, nous avons information sur l'alisage du cylindre, donner une valeur, si nous la connaissons. Si nous la connaissons pas, on peut avoir aussi information sur le diamètre du piston que lui pourra nous déterminer la valeur de notre cylindre ou notre cylindre qui nous donnera la valeur de notre piston. Mais avant toute autre chose, il faut connaître la course de la bielle. Ça, c'est primordial. Bon, nous, on sait que sur une course de bielle de 103, sa course ici, et la course ici qui est égale à la course du vilebrequin et vice versa. Et après, futurement, on appliquera aussi une petite formule qui est ici, donc c'est le volume de pi. Pi, on sait que c'est 3,1416. Que celui-ci est multiplié par A, A étant l'alisage du cylindre, au carré, ça veut dire son chiffre, en millimètres évidemment, sera multiplié par lui-même. Et ceci sera divisé par 4, puis nous le multiplierons par C égale à sa course. Comme ça, on connaîtra le volume de la cylindrée. Et attention, il ne faut pas confondre volume du cylindrée et volume de chambre. Sachant qu'un cylindre, il y a une base, il y a sommet. Et ça correspond à un volume en centimètres cubes ou millimètres cubes.
Vous allez voir, c'est très facile au début. Tout le monde s'embrouille, tout le monde s'emmerde. Non, non, c'est simple. Quand vous avez un tableur comme ça sera tranquille. Allez, on va partir sur un exemple simple. Déjà, information sur l'alisage du cylindre. Là, c'est simple. Si vous le connaissez par défaut, c'est très bien. Sinon, vous êtes obligé de le mesurer. Mais moi, je vous donne un conseil. Ne mesurez pas ça avec un pied à colisse. Non. Là, il vous faut une pige d'alisage avec un comparateur pour connaître exactement la cote. Sinon, si vous vous mesurez votre piston, généralement c'est marqué sur la tête du piston. Si c'est pas le cas, ne prenez pas votre pied à coller, ça. Non, non, hein. Vous prenez un palmeur. Bon, un palmeur, c'est quoi? Ton truc pour mesurer ton diamètre. Voilà, tout simplement. Allez. Là, on va partir sur un exemple. Si on connaît notre alisage du cylindre, on va pas chercher du gros. Non, non. On va prendre quelque chose d'assez logique sur un cylindre 203 avec un petit alisage de, je sais pas, 39, ouais, sous Excel, on dit pas virgule. On appuie sur le point. Et là, on va dire, par exemple, 91. Voilà. Et après, quand on a tapé la valeur, ah, il y a des cases qui ont changé. Il y a des valeurs qui se sont inscrites. Par exemple, dans la formation sur le cylindre, diamètre du cylindre réel, donc 39,91, ça c'est notre alisage, hein, diamètre égal alisage. Et là on connaît aussi le rayon du cylindre. Le rayon c'est la moitié, hein. Hein, n'oubliez pas vos cours de géométrie à l'école. Là nous avons 19,96. Ok. Et après, il va falloir calculer, si nous ne connaissons pas évidemment le diamètre de notre piston, là on pourra déterminer quelque chose d'autre dans une autre case. Ok? Là, dans les jeux de coupe entre le piston et le cylindre, aha, notre piston on ne le connaît pas. Par contre, ici, nous le connaissons, le cylindre. 39,91. Par contre, le jeu de couple, là, on va plutôt partir dans ici, par exemple. Hein? Là, nous avons notre cylindre. La valeur du jeu de coupe en centimètres, en centième de millimètre, excusez-moi. Non, c'est pas le centième de millimètre. Ah si, on va partir en centième 2 mm. Là, dans les deux cases, valeur automatique ne pas changer. Résultat automatique ne pas changer. Là, il ne faut pas travailler dans ces deux cases. On va partir dans la case verte. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Valeur définie pour le cylindre. Jeu de coupe, cylindre égal au jeu de coupe piston. Oui, c'est à peu près logique, hein. Si on a un mètre pour un, l'autre correspondra à un mètre pour l'autre. Vice-versa, comme on dit. Là, on a le chiffre est reporté éventuellement dans la case verte info sur le diamètre du piston. Là, ça va nous donner une valeur à mettre en plus. Allez, on va reprendre sur le jeu de coupe. Cylindre, piston. Le piston est à l'intérieur de la chambre. On prend son petit jeu de cale et on mesure jusqu'à combien?
qu'on peut mettre comme épaisseur de cale. Généralement, sur Peugeot, les cylindres, c'est 0,03. Voilà. Par contre, ce chiffre-là doit être égal au même chiffre ici. Donc, on reporte 0,03 centième de millimètre. Là, il faut bien se dire. Hein. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ah, pas grand-chose, mes amis. Là, il va falloir qu'on regarde ailleurs. On n'a pas d'autres valeurs. Bref. On n'est pas perdu. Si la valeur ici égale à plus 3, ben ça va nous faire quoi? Donc, 39,91. Ici, on a le résultat de la valeur pour le piston qui est de 39,88. Ça, c'est notre diamètre de notre piston qu'on doit mettre en fonction du jeu de coupe. Donc maintenant, on connaît le diamètre. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Le chiffre est à reporter éventuellement dans la case de verte info sur le piston. Donc le 39,88, ici, on va le reporter ici à 39,1. Par défaut, Excel nous dit virgule 88. Et là, on va faire entrée. Et là, ça a changé plein de petites valeurs. Là, on connaît. Là, on connaît. Par contre, là, on connaît pas. Ça veut dire la course de la bielle. Donc, ici, on la connaît pas. Mais on sait que par défaut, sur un moteur de 103 Peugeot, la course est de 39,1. Voilà. Là, on n'est pas si mauvais que ça. On a réussi à déterminer une valeur manquante pour trouver une valeur qu'il nous faut. Et là, on a reporté tout simplement les valeurs de base. Ça, c'est primordial avant de continuer dans le tableur. Ensuite, fur et à mesure, on va descendre dans le tableur. Et là, on va retrouver dans une case, hein, encore un sous-groupe. Donc, on a le premier déterminé, deuxième déterminé, et on va attaquer au troisième. Là, à chaque fois dans les valeurs d'information ici, on connaît également les rayons. Donc notre rayon de cylindre, notre rayon de piston. Ça, c'est déjà pas mal. Par contre, ici, on va faire un calcul. Donc, calcul du volume de la calotte piston. Ah, qu'est-ce que c'est? Un piston, c'est cylindrique. Vous savez bien, on a le corps du piston. Par contre, nos pistons sont légèrement bombés. Ah, ils n'ont pas une tête plate, quoi. Ils ont une tête ronde, quoi. Bon, ça a été fait comme ça. Et là, on va mesurer notre hauteur à mesurer. Oui, c'est logique. En fin de compte, ça sera la hauteur d'ici, de la base du corps du piston jusqu'à son sommet. Là, c'est simple. Vous prenez votre piston, vous le mettez à plat sur une table et avec un millimètre, vous mesurez combien que ça fait. Donc, ici, par exemple, nous avons une cote, on va dire 2,
Allez, 2 000 mètres, hein, jusqu'au sommet. Et là, ça va nous déterminer plein de valeurs qui vont être affichées ici. Là, on connaît la hauteur du piston, donc donner une valeur, ok. Notre rayon du piston, qui est de 1994, et là, qu'on sait, ok. Donc, c'est une valeur reportée, hein. Hein, je vous le signale. Avec sa hauteur et son rayon, là, c'est des coefficients 1 et 2 qu'il ne faut pas changer. C'est une formule Excel, hein. Donc on voit bien qu'ici il y a une formule de calcul. Comme ici, on a une somme qu'il faut déterminer en fonction. Là, je dis D14 multiplié par 3 moins D38. Donc, si vous savez faire du Excel, des tableurs, vous savez que ce je veux vous dire. Voilà. Mais par contre, les formules sont déjà écrites et appliquées. Ça nous donne des valeurs de coefficients. Et de là, on connaît le volume de la calotte du piston en millimètres cubes et la valeur de la calotte du piston en centimètres cubes. Ça veut dire, tout simplement, ici, on connaît le volume. C'est pas une sphère ni un. C'est plutôt un cône cylindrique. Hein, hein. Si vous connaissez pas trop la géométrie, hein, si vous n'êtes pas des C++, hein. Donc il faut se dire que ça occupe un certain volume. Voilà, tout simplement. Et ce volume, nous le connaissons ensuite. Donc, ici, volume de la calotte du piston en centimètres cubes, qui est de 0,24 centimètres cubes. C'est le volume qu'il occupe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme en valeur automatique? Ah, là, on sait que c'est la hauteur de notre piston 2 qu'on a déterminé ici dans la case verte. Ensuite, par défaut, nous connaissons également notre diamètre de piston. Bien. Là, on a une information complémentaire en plus. C'est valeur de l'angle de la tête du piston, qui est ici de 5,73 degrés. Ah oui. D'ici, je partais plutôt par là. Ici. Jusqu'ici, à son sommet, vous avez un angle. En géométrie, si vous avez un peu appris les triangles isocèles, équilatéral, triangle rectangle, hein? Bon, des petits cours où on apprend en CP, hein? Je vous le dis ça tout de suite. Hein? Ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. De moment, vous êtes censé de le savoir. Hein. Bon. Et on parle de sinus et de cosinus. Bon, avant de partir sur ces chemins-là, et aller voir Pythagore, ici, là, on va faire plus simple. Hein. On va dire que je suis à l'horizon, je regarde le soleil, à telle heure. Il est là, et à telle heure, il est là, il est là, il est là. Et comme ça, ici, sur l'horizon, on a une élévation, et là, on a un angle. En quoi? Et si, en degré. Je viens de lui dire, oh là là, suis un peu le cours. Bon, ensuite, on va passer encore dans un autre cadre. Ah, chiant. Là, on a le volume du cylindre. Donc, volume du cylindre en millimètres et la conversion en centimètres cubes, tout compte, tout bête. Hein. Là, résultat automatique de ne pas changer.
Là, maintenant, on sait que le diamètre multiplié par la hauteur égale à un volume. Ça, on le sait, hein. Et là, ça nous a déterminé automatiquement que dans la chambre cylindre fait 48,89 centimètres cubes. Mais généralement, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est connaître aussi le volume du culot de la bougie en centimètres cubes. Là, il faut savoir si c'est un culot court, que lui, il va nous occuper de 1,5, je te dis pas quoi, ou si c'est une longue qui va être à 2,5 de je ne sais toujours pas. Hein? Voilà bien ici. À une condition que tu utilises une bougie standard de type M14. Ok? Là, je sais pas. On va dire qu'on va prendre une petite. Tiens, une courte. Là, c'est du 5,5. Ok? Par contre, ici, valeur de mesure de la culasse. Aha. Remplir la chambre d'un liquide par le puits de bougie. Hein? Mesurer, oui, le volume de la chambre en centimètres cubes. Hein? Donner une valeur piston en PMH. Le PMH, ça veut dire position mort haut pour un moteur. Il y a deux positions, hein. N'oubliez pas sur un moteur. En haut et en bas. Hein. Là, c'est le haut qu'on est en train de parler. Donc, vous mettez votre piston en position haut. Donc, avec votre pipette graduée en centimètres cubes. Hein, n'oubliez pas. Hein. Après, vous devez savoir les conversions de centimètres cubes en cc. Hein. Ok? Ça, vous devez le savoir. Sinon, tu regardes un tuto sur YouTube. OK? Bon, par contre, ici, on a mesuré. Ça veut dire, on a mis notre position en haut. On a rempli par le puits de la bougie. Et on a eu une certaine quantité de liquide introduit à l'intérieur. Par exemple, si on va dire, on a mis 7 cc. Voilà. 7 cm cubes. Là, ensuite, dans l'autre cadre, on accorde d'autres valeurs, en fait. Ce sont des résultats automatiques qui ont été inscrits dans cette case-là. Là, on peut connaître et on peut dire maintenant, hein, n'oubliez pas, que la valeur rapportée de la culasse, donc valeur du volume dans la chambre réelle en centimètres cubes est de 5,5 centimètres cubes égal à 5,5 cc. Hein. Ça va de soi. Là, on a aussi une autre valeur du cylindre. Donc volume de la chambre du cylindre, donc le volume de la cylindrée réelle en centimètres cubes, qui est de 48,89. Que ça, on connaît cette valeur depuis qu'on a calculé le volume du cylindre ici. Donc ça s'est retranscrit ici. Là, il faut se dire taux de compression en TX, donc rapport au volumique que nous avons trouvé. Hein, tout simplement, avec là, on va plutôt calculer la valeur du taux pour A. En fin de compte, il faut se dire qu'on va connaître une valeur occupée pour A. Pour A, ça veut dire pour un litre. Ça veut dire que ce volume-là va occuper une certaine valeur dans un volume de un litre.
tout simplement. Voilà, mes amis. Donc, c'est pour ça qu'on dit la valeur pour A. Et là, on sait que le résultat est en automatique, qui est de 8,89 pour A. Ça, c'est notre taux de compression, le TX, le fameux TX. On va pas chercher. La Sata qui te prend la tête à faire des belles formules. Hein. TX égale à grand volume moins petit volume divisé par petit volume. Voilà. Bon, je vous ai pas mis la formule ici, mais je pense que vous n'êtes pas si bête que ça. Bon, mais par contre, il faut se dire qu'on a deux valeurs. On a la valeur de la chambre de culasse, ça s'appelle, hein, mais il faut rajouter la valeur de votre chambre de cylindre en fonction de votre course. Cette valeur-là, elle est automatique. Ça veut dire qu'on connaît notre valeur de cylindre, qu'on sait, qui est de 48,89. Et là, il faut rajouter le volume de notre chambre de culasse. Et là, nous avons évidemment le piston en position point mort bas, cette fois-ci, hein, qui occupe un volume de 54,89 cm3. À l'époque, on nous disait que nos cylindres ne devaient pas dépasser 49,9, en dessous de 50 cm3, pour que ça soit classé comme vélomoteur ou cyclomoteur, ou 50 cm3. C'est pas faux. Si nous avons une cylindrée de 48,89, on n'excède pas. Par contre, la gruge, c'est ici. Ah oui, je suis supérieur quand même. Oui, mais ça, c'était pas notre problème de mise de conformité aux mines, hein, hein, pour les 50 cm3. Hein. Bon, on va continuer. Et ici, futurement, et on va voir dans le cours que, en fonction de ces valeurs-là que nous avons obtenues, qu'on pourra déterminer futurement changement des valeurs en fonction des joints. Là, calcul de la valeur de la cylindrée, donc volume du cylindre, hein, on sait très bien que c'est du 48,89, et là, on va prodiguer des épaisseurs joints d'en base et épaisseur de joints de culasse. Ah oui, parce que là, influe sur l'autre. Tout simplement, on peut rehausser leur base, ça va nous influer à un certain volume, et que celui-ci évidemment va influer sur d'autres valeurs, par exemple les diagrammes. Ah, bon, si je rehausse leur base, j'ai plus de cylindrée aussi. C'est bon dans un sens et mauvais de l'autre. Pourquoi? Parce que si je rehausse en base une en base, je diminue mon taux de compression dans ma chambre. Donc ça va influer sur mon TX. Eh oui, c'est pas faux. Par contre, je peux garder une certaine embase. Mais si je mets un joint de culasse plus épais, ça va aussi changer mon volume de chambre. Ouais, c'est pas faux. Mais ça va pas changer mon diagramme. Oui. Ça va pas changer tes diagrammes, ça c'est sûr. Ah ok, mais ça, mes amis, ne vous inquiétez pas, ça sera le sujet d'un autre cours. Ah, aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein? Donc si je mets une épaisseur de joint d'en base, par exemple, allez, soyons gentils, 1 mm, non, peut-être pas, mais 0,5. Ok, parce que c'est toi. Ok. Et là, ça a changé. Oh, oui, c'est pas faux. De 48, si je rayonne en base, je tombe à 49,51. Ah ah! Et là, si on en met à... Oh!
Je suis à 50 cm cubes déjà. Ah ah, espèce de voleur, t'es hors la loi. Ah bon? Bah oui. Voler de notre calotte de bougie, toujours, il y a un 5, hein, on l'avait déterminé ici, hein, mes amis, n'oubliez pas. Hein. Là, par exemple, si on met 2,5, vous allez voir toutes les valeurs ici. Ça change, hein. Même mon volume de taux de compression a changé. Vous voyez, ici, on est à 10,86. Tandis que, par exemple, si je mets 1,5, ah, plus faible taux. Bah oui, c'est logique. Il y a un sens logique. Sauf si votre culasse et votre dôme de culasse est adapté pour un certain type de bougie. Là, ça sera aussi sujet à notre cours. Il faut peut-être savoir que ta bougie ne doit pas débarquer comme ça au milieu de la chambre. Mais non, parce qu'il y a un fond de flamme, propagation de la flamme aussi. Hein, donc, c'est un peu plus complexe. Là, on va revenir sur du 1,5. Notre bougie en 1,5. Et le delta du volume en centimètres cubes, hein, donc le résultat nouvel de la valeur de la cylindrée. Donc on a un delta, une différence. Hein. Si on rajoute 1 mm, ben on va gagner 1,25 centimètres cubes en plus. Ah. Mais par contre, si je rajoute un joint de culasse, t'as pas une idée, toi? Ouais, hein, t'as mis un. Mets-lui un dans les dents. Allez, hop! Ça a encore changé. Oh là. Total des joints, on est à 2 mm de joints en base, plus culasse. Ah, déjà. Hop, je fais ça. Là, évidemment, on a changé notre volume. Donc, on est à 51. Et le delta est de 2,5 centimètres cubes en plus de la cylindrée de base. Par contre, ici, il y a un truc qui me choque. Ça sera ici le taux de compression en TX que j'ai pas fini. Ça, c'est en étude actuelle, parce que ça va être une formule un peu scientifique, que à chaque fois, en fonction des valeurs ici, modulées, hein, j'aurai un nouveau taux de compression qui sera déterminé. Voilà. Pour aujourd'hui, le sujet du cours n'a pas été compliqué, hein, je pense pas. Hein. Et futurement, dans les cours, ici, on va apprendre les diagrammes. Ici, calcul, transmission. Oh, ça va être dur ça. Oui, très dur. Il va falloir suivre le cours, mes amis. Parce que là, on va déterminer les diagrammes échappement et transfert d'admission, qui va nous faire des choses. Hein. Évidemment, toute cette force doit être développée et exploité par une transmission. Ça sert à rien d'avoir, excusez-moi, des moteurs couples ou puissants. Si au résultat, à la roue arrière, on n'a rien. Ouais, j'ai 10 000 chevaux et je roule à 1 km seconde. Ouais, un truc comme ça, quoi. Bon, on verra ça. Allez, à tête reposée. Voilà mes amis, aujourd'hui c'était le sujet du cours métrologie d'un moteur. Vous avez appris qu'est-ce que c'était un alésage, une course, hein, une petite formule. Ici, vous avez appris l'angle ici d'un piston en fonction de la hauteur et de sa base, que là, vous pourrez déterminer ultérieurement vos switches. Voilà, l'épaisseur de vos switches et la conicité
de votre culasse, l'angle reporté pour effectuer un bon switcher et une bonne déflagration de votre flamme. Bon, ça évitera de choper de l'auto-allumage à chaque fois dans la gueule. Voilà. Bon, simple. Allez, sur ce, mes amis, je vous laisse. Bisous, bisous, et à la prochaine fois, mes petits lapins. T'as compris, oui? J'ai tout compris, sauf capiche.